بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، ونشكره على فضله وآلائه علينا، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فاللهم صلي صلاة تامة كاملة على أشرف خلق الله وعلى أنبل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم الجمعة. أما بعد، chers auditrices et auditeurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dans cette nouvelle émission de Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Comme vous le savez très bien, le 1 milliard et plus sur Terre des âmes célèbrent ce mois réservé à la naissance du prophète Mohammed alayhi as-salatu wassalam. Comme tout peuple, comme toute communauté, comme tout groupe d'individus, il y a toujours une personne célèbre par ses actions, par sa notoriété. Elle a une considération particulière pour chaque communauté, chaque peuple, chaque civilisation. Pour l'humanité entière, je dis bien, je précise bien, je le crois personnellement, l'humanité entière aujourd'hui doit avoir un regard sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que tout d'abord, il a été envoyé pour l'humanité entière. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Peut-être serait-il utile de le rappeler que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il n'a jamais été envoyé pour les Arabes. Il n'a jamais été envoyé pour les Perses. Il n'a jamais été envoyé pour les Byzantins. Il n'a jamais été envoyé pour les Romains. Il n'a jamais été envoyé pour, en fait, un peuple particulier. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour l'humanité entière. Donc, dans chaque être humain, il y a le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, ce qui explique que même si on ne connaît pas grand-chose sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, aujourd'hui, statistiquement parlant, aujourd'hui, le nom le plus répandu dans le monde entier, c'est Mohammed. Qui renvoie certainement, pour des raisons multiples, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Cette célébration, et je vais pas tomber dans cette discussion, ce débat stérile, malheureusement, est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé. Je crois que souvent, nous les musulmans, on s'est fait piéger par des questions et on a répondu à ces questions, alors que, en réalité, nous avons un problème de pensée réelle. Ça veut dire que nous avons un problème cognitif chez nous, les musulmans, pour celui qui a posé cette question et pour celui qui a répondu. Donc que les choses soient très claires, on va pas tomber encore une fois, puisque des années, puisque même, en fait, pendant des siècles, ce débat déchire les musulmans, désunit les musulmans et crée plus de frustration et de désunion que d'union. Donc, je crois que ça fait partie, pour moi, non pas de l'intelligence, mais de la bêtise humaine. En général, je juge personne, j'insulte personne, mais pour dire que arrêtons de poser les mauvaises questions pour ne pas avoir des mauvaises réponses. Donc, les musulmans, pendant ce mois,
Rabi'al-Awwal, nous fêtons, nous célébrons la naissance du prophète alayhi as-salatu wassalam, et aux historiens, les biographes, de faire le travail, à quelle date, à quel moment, à quel jour, etc. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de savoir, de comprendre, de poser la bonne question, qu'allez-nous faire de cet événement ? Hein, c'est un événement. La naissance du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, l'humanité entière a eu un temps dans un espace bien précis, dans un temps bien précis, la naissance du dernier des prophètes, tout d'abord. Hein, le prophète alayhi salatu wassalam, khatamul anbiya'i wal rusul. Hein, c'est le dernier. C'est. Rappelons juste brièvement que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le législateur, pour ne pas abandonner, comme disent certains, ses créatures, il a envoyé des prophètes, des missionnaires, des personnes, des êtres humains, pour rappeler et pour aussi... avertir, et pour informer, pour éduquer. Bah, c'est le rôle des grands réformateurs sur Terre. Hein, vous savez, dans toute société, il y a des réformateurs. Donc, les prophètes étaient envoyés par révélation à leur peuple bah, pour leur rappeler d'abord leur existence, la raison de leur existence, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'on fait, parce que il s'est avéré comme un enfant exactement pareil. Hein. Un bébé, on ne peut pas le laisser découvrir tout seul le monde et comprendre pourquoi il est là. Non, c'est aux parents. C'est aux parents aussi de diriger, d'enseigner, d'éduquer, d'élever, comme on dit, en fait, leur enfant pour aller vers la bonne direction. C'est exactement pareil. Les peuples, c'est comme ces bébés qui a besoin d'un tuteur, qui a besoin d'un adulte, qui a besoin d'une personne lumière. Donc les prophètes, ils servaient à ça. Ils avaient cette fonction de lumière. Hein, parce que l'être humain, par nature, ne peut pas compter que sur son intelligence propre à lui, sur ses pulsions propres à lui, sur ses propres instincts pour se diriger vers la bonne direction. C'est presque impossible. C'est exactement pareil comme si une personne qui a besoin d'une lumière du jour pour voir. C'est pareil. C'est exactement la même chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé aussi, il a fait descendre des livres, sa parole, sur ses peuples. Donc, pour chaque peuple, pour chaque communauté, il y avait un prophète. Et aussi, rappelons aussi que le prophète, alayhi salatu wassalam, était le dernier des prophètes pour, comme il a très bien dit, très bien illustré, très bien précisé dans un hadith, que lui, c'est, voilà, c'est le dernier à finaliser, à conclure cet envoyé de Dieu, d'ailleurs, ce qui explique la charge sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça m'a beaucoup plu, cette belle analyse d'un grand penseur, Wahiduddin Khan, un indien, qui disait que, comme si l'humanité, elle était dans un stade d'immaturité, et lorsqu'il y a la maturité de l'humanité entière, ben le prophète, alayhi salatu wassalam, il est venu pour discuter, pour parler à l'humanité entière, lorsqu'elle était prête à recevoir la révélation qui interpelle la raison, qui interpelle le cœur aussi, l'esprit et l'âme. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, je ne vais pas dire mérite, mais c'est nécessaire pour nous que, une fois par an, pourquoi pas, hein, c'est aussi utile hein, de fêter, de célébrer, chacun à sa manière. Vous savez, dans chaque peuple, hein, on a créé des traditions, des coutumes, des manières de fêter, de célébrer l'amour et l'attache du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais je crois personnellement que cette célébration folklorique de façade n'est pas la bonne hein, pour moi, parce qu'elle n'est pas très très utile. Mais je crois à une autre manière de célébrer la fête du prophète alayhi salatu wassalam, c'est effectivement en se posant, en se disant, mais où suis-je dans mes rapports avec le prophète alayhi salatu wassalam? Attention, en tant que lumière, en tant que repère, en tant que référence.
Voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le référent de l'humanité. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le repère pour l'humanité. Voilà, l'humanité entière, tout être humain, il a besoin de repères. On ne peut pas vivre sans repères. Ça n'a aucun sens. Hein, les repères, pour un enfant, c'est quelque chose de capital. C'est presque pareil, hein, avec bien sûr des nuances de comparaison. Le prophète alayhi salatu wassalam, ben, il est là pour conduire l'humanité et pour surtout lui accorder des repères, une référence, une lumière, comme on dit, un nour, hein, la lumière. Le prophète alayhi salatu wassalam, huwa nourun. C'est une lumière, tout simplement, dont on a besoin. Donc, je crois que la bonne question, c'est que quelle est la part de la lumière chez le prophète alayhi salatu wassalam en moi. C'est ça la bonne question. C'est pas de fêter, de célébrer, juste c'est bien de se rassembler, hein, c'est bien d'être ensemble, etc., dans une bonne ambiance, c'est très bien, hein, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, juste un rappel, hein, toutes les mosquées de France ont une célébration particulière, et parce que j'étais à la mosquée de Paris, donc la mosquée de Paris, pour le 17 de ce mois, décembre, un samedi de midi jusqu'au le Maghreb, il y aura une célébration particulière. Donc, je crois que c'est important à chacun de célébrer à sa manière, à sa façon, sans nous juger, sans se dire oui, mais c'est bon, c'est pas bon, etc. Et surtout, l'essentiel, allant à l'essentiel dans notre rapport avec le prophète Mohammed, alayhi as-salatu wassalam. Chers auditrices, auditeurs, voilà une petite introduction. Et bien sûr, comme vous le savez très bien, cette émission, elle est ouverte à toutes les questions, toutes les interrogations, 0800 92 23 99 50 pour appeler le standard et passer directement dans cette émission de Parler Islam. C'est le 0800 92 23 99 50 pour appeler directement et poser vos questions, quelle que soit cette question, ou pourquoi pas aussi, en fait, voilà, participer, contribuer. Mais surtout, n'oubliez pas que le concept de cette émission, c'est qu'on pose une question et on a la réponse, sachant aussi, rappelons aussi que... voilà, je suis ni monsieur Islam, ni l'islam tout court. Voilà, on répond selon, en fait, ce qui devrait être répondu à la personne qui pose la question. 0892 23 99 50. De retour dans votre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que l'antenne est ouverte pour toute question. Vous n'avez qu'à composer 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50 pour toute question relative, que ce soit l'événement de Maulid ou autre question. Donc, comme vous l'avez certainement écouté, il y a un auditeur qui m'a posé la question suivante. Le musulman peut-il fêter Noël? Alors, moi j'ai retenu la fête. Bon, le musulman, en fait, rien n'interdit à un musulman pour fêter, hein, pour faire la fête, en fait. Parce que ça fait partie de la vie, c'est pas, voilà. Après, il y a Noël. Alors, en réalité, moi, j'aimerais bien me baser sur le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui va nous aider à, si vous voulez, à comprendre la réponse. Le hadith le plus célèbre dans, que tous les savants musulmans, d'ailleurs, ils disent que c'est le premier hadith, hein, qu'on trouve dans tous les grands œuvres des hadiths, innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. En fait, les actes ne valent que par leur intention. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend en considération notre intention. Pour tout acte, pour toute action, surtout lorsque c'est une action, en fait, de l'ordre de la vie, voilà, en fait, c'est quelque chose qui seul Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien quelle est notre intention. Donc, d'après ce hadith, c'est la considération qui va définir
est-ce que c'est permis ou pas? Vous savez que le permis ou l'interdit, ce sont deux notions religieuses et que on ne peut pas, on n'a pas le droit en fait de s'amuser ou bien d'inventer ou bien de voilà de d'avoir toujours oui non halal haram. C'est pas en fait. Il faut savoir quelque chose, c'est que la religion musulmane c'est une religion de vie. Hein, c'est de vie et la vie, il y a des nuances. La vie, il y a plusieurs couleurs dans la vie. Il y a plusieurs situations et vous imaginez si nous sommes construits ou bien on a été éduqués ou bien on a compris de cette religion musulmane que où sont interdits ou il n'y a pas d'interdit. Ça marchera jamais ainsi. L'être humain est tellement complexe. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des nuances même dans les interdits, dans les permis. Donc, tout d'abord, il y a une règle d'or dans la religion musulmane, point de vue purement juridique. En fait, tout ce qui n'est pas interdit reste permis. Ça, c'est la loi, c'est la règle. Alors, maintenant, la considération, c'est que moi, je crois que les musulmans de France ont relancé un débat qui... nous avons cru que en fait il n'existe plus. C'est que est-ce que Noël on est dans le religieux ou on est dans le profane? En fait, par les questions que beaucoup de musulmans se posent, est-ce que j'ai le droit de fêter ou pas? Juste une chose importante, c'est que si on voit dans la société aujourd'hui, en fait, là, on vit la société française. Le débat, en fait, voilà, en fait, on ne sait pas on est où exactement. Est-ce qu'on est dans le religieux, purement religieux? Et ça, je crois que les chrétiens, voilà, ils l'ont très, très, très bien compris, parce que ça les concerne directement. Mais au niveau de la société, globalement, la question ne se pose pas. Donc, tout dépendra de la raison pour laquelle j'aimerais bien vous dire, monsieur, à vous, à beaucoup de personnes qui se posent cette question, oui et non. Si on est dans le religieux, c'est interdit. Le musulman ne peut pas croire un interdit. Voilà, ne peut pas croire à des choses qui font pas partie de sa croyance, de sa foi. Le musulman, il a ce qu'on appelle, en fait, arkanul iman, hein, les piliers de l'iman, les piliers de la foi. Voilà. Un Dieu unique, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, croire à tous les prophètes, croire en fait au jour dernier, croire aux anges, voilà, je crois que c'est important. Tout ce qui est en dehors de ces six piliers, ben, le problème c'est que ça devient interdit. Donc, tout dépendra de la considération. Si j'ai une considération culturel, parce que je partage, parce que je vais acheter de chocolat, parce que voilà, en fait, des jouets pour les enfants, etc. Voilà, là, à la rigueur, on peut pas considérer que c'est haram, que c'est interdit. Mais moi, ma question que je me pose, on fait quoi avec les enfants? Les enfants de culture arabo-musulmane ou les enfants franco-musulmans, tout simplement. On fait comment? C'est ça la grande question. Parce que si nous, les adultes, nous pouvons distinguer entre ce qui est religieux, permis ou interdit. Pardon. Ben, les enfants, ils ont besoin d'une explication. Hein, les enfants, ils sont ensemble dans la crèche, ils sont maternels, etc. Surtout les enfants à bas âge. Hein. Ben, eux, ils s'interrogent. Là, c'est le rôle des parents de leur expliquer que, voilà, en fait, nous, les musulmans, pendant Noël, pour la considération religieuse, c'est quelque chose de spécifique. Hein? Donc, ce qu'on fait, on ne condamne pas, on ne juge pas. Parce que ça nous regarde pas en réalité. D'accord? Lakum dinukum waliya din. Et si on est dans autre que le religieux, là, on peut expliquer aux enfants qu'effectivement, en fait, voilà, on peut profiter de telle occasion pour la fêter. Wallahu alam, en fait, voilà, c'est juste ce que je pense de cette question.
Je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que nous sommes toujours ensemble dans cette émission Parler Islam sur des ondes de France Maghreb 2. Il est 19h03 et je vous rappelle, numéro de téléphone 0892 23 99 50. Je crois qu'on a un appel du côté du standard. Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, moi j'ai pris l'émission en cours là, mais je voudrais vous poser une question par rapport à la succession. Oui. L'héritage. Dites-moi. Alors, lorsqu'on est musulman et qu'on vit en France, la loi prévoit la succession dans le sens français, c'est-à-dire chrétien. Ça a été. En fait, Oui. Et lorsqu'on est musulman, comment on fait? Très bonne question. C'est des pièges. Non, c'est pas ça. Parce que franchement, moi, j'aimerais bien vous renvoyer la question. Si vous avez des réponses, marhaba bik. Non, moi, j'ai aucune réponse. C'est vous qui avez les réponses. C'est vous, l'homme de l'art. Là, chauffe. Je crois, tabarakallah Ali, que vous êtes un habitué et que vous savez très bien que moi, j'ai un principe dans que, alhamdoulilah, je l'applique très bien. Lorsque je connais pas, je dis je connais pas. Je vais être très, très sincère avec vous. Wallah, je connais pas, Ari. Je sais alors, pas. Alors, justement, cher, comment se fait-il qu'il n'y a pas dans les instances représentant les musulmans un débat pour tout ce qui concerne les questions impossibles, complexes? Wallah, pour avoir une seule voix. Tout d'abord, je crois personnellement que quand même, il y a eu débat. Hein. Peut-être moi je le connais pas du tout. Ça c'est sûr, il y a eu débat. Parce que ce type de question, ça a été débattu, etc. Non, excusez-moi, c'est pas ça que je veux dire. Le débat, il y en a tout le temps. Ouais. Mais à la fin d'un débat, il faut qu'il y ait une voix officielle. Une voix, pas 50. Avec différents avis. On s'y perd. Là, moi, je suis plus que certain. Les questions récentes, ce qu'on appelle contemporaines, il est presque impossible qu'il peut avoir un seul avis. Sauf si femme a une instance, et cette instance, elle va faire ce qu'on appelle une réponse synthèse. Elle va dire, voilà, j'ai pris ça, etc. Et voici ce qui ressort. C'est possible. Je vous l'accorde. Mais je suis plus que certain, nos femmes m'ont des réponses maintenant à ces questions. Mais moi, pour des raisons multiples, je ne les connais pas. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Mais, subhanallah, souvent, je reçois des questions inverses sur la succession. Des personnes qui vivent au pays et qu'ils sont là et qu'ils sont contraints d'aller au pays pour faire la succession, l'héritage, etc. Là, moi, je leur dis facilement, vous avez des muftis là-bas, vous avez des instances. Toi, que l'Allah, je vous... Pour ce qui concerne l'Algérie, c'est très facile, puisque la Freda détermine en fonction de la charia. Donc le problème, il n'y a pas de problème en Algérie. Lorsqu'on vit à l'étranger, en Europe, en Occident en général, c'est vrai. Les lois ne sont plus tout à fait les mêmes. Alors, personnellement, j'ai pas, pour ma part, j'ai pas encore vécu ce cas d'ailleurs. Et voilà, ici, s'il y a des personnes qui peuvent en fait nous éclairer, marhaba bien, cher. Comment est-ce qu'on l'explique, parce que vous excuserez mon ignorance, parce que je suis pas innocent, je suis plutôt ignorant qu'innocent. Comment on explique la succession par rapport aux femmes, aux filles? Elle est un peu injuste d'une certaine façon. Comment on l'explique? Religieusement. Là, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Il y a un livre qui est traduit. Je suis très content qu'il soit traduit. On le trouve partout dans les librairies, qui s'appelle L'héritage en islam. D'accord? Il est fait par un grand savant que je respecte énormément avec d'autres, etc. Il prouve le contraire. Il prouve que contrairement à ce que nous pensons,
dans beaucoup de cas, il y a 10 cas dans l'héritage entre le sexe opposé, entre les filles et entre les garçons. Ou entre les frères et sœurs. Ça aide. Hey, ma femme a 10 cas. Non, y compris la mère, etc. Oui, cool, ou à nous, il y a 7 cas, hein, où on trouve que la femme, elle a plus de part que l'homme. Waouh, c'est très bizarre. Hein, lorsque, honnêtement parlant, le jour où j'ai découvert cette étude, elle est sérieuse ou appliquée, etc. J'ai dit, mais subhanallah, mais pourquoi on est resté toujours? C'est tout. On a gardé une seule. Le garçon, avec, il doit être deux fois la fille. Alors que non. Pas du tout. Dans, enfin, ma 10 cas, ou ma maroufine, 10 cas, Rabbi, il les a détaillés dans le Coran, etc., sur l'héritage qu'il doit avoir, etc. Et dans son étude, parce qu'elle était très très précise, il dit que dans 7 cas, c'est le féminin qui a plus de part que le masculin. Alors, quand quelqu'un qui n'est pas érudit, oui. Comment il fait, puisque nous on a qu'un son de cloche et on en a pas 7. Là aujourd'hui, je crois que demain on n'aura plus des excuses pour ne pas apprendre et comprendre. Le livre, il existe, il est traduit, hein, dans... Oui, mais excusez-moi, cher, ouais, ça fait quand même l'islam, il n'est pas révélé depuis hier. Hey, malice, moi, et pourquoi on va attendre demain? Là, attends, qu'on le croit. Chouf, c'est notre problème. C'est que, comme disait l'un des plus grands chers, depuis 25 ans, on a cru que telle ou telle question, elle avait telle réponse. Après 25 ans, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Ah oui, je t'apprends. Ça fait partie de notre héritage, malheureusement, de notre ignorance. Parce que vous le savez très bien, monsieur, parce que je vous ressens, hein, nous, effectivement, nous ne sommes pas une umma de Iqra. Alors maintenant, une dernière question. Je ne suis pas comblé. Malice, c'est pas grave. Lorsqu'il y a un couple mixte, musulman et chrétien, ou athée même, mais d'origine chrétienne, athée d'origine chrétienne, parce qu'il y a le chrétien pratiquant, et il y a le chrétien athée. Qui m'a dit le musulman? Voilà. Alors, lorsqu'il y a une succession d'un musulman par rapport à un chrétien, ou un chrétien par rapport à un musulman, c'est-à-dire que c'est un couple mixte, il y en a un qui décède, alors est-ce qu'il doit hériter d'un chrétien, ou le chrétien peut hériter d'un musulman? Alors, là-dessus, je peux répondre. Hein, parce que en fait, c'est vrai que anna hadith Nabi alayhi salatu wasalam, la yurithu al-muslimu min ghayr al-muslim. En fait, le musulman ne peut pas hériter d'une femme, par exemple, chrétienne, qui est décédée, etc. Mais attention. Ouais, elle a, par exemple, quelqu'un qui convertit, ou un de sa maman, qui décède, ou un d'un héritage, voilà, son père, etc. Parce que ça se pose, cette question, hein. Vous avez bien raison de les poser. Heureusement pour nous, d'ailleurs, hein. Heureusement pour nous aujourd'hui, les savants musulmans ne sont pas à l'unanimité pour dire c'est interdit. De que musulman hérite de père ou voilà, de mère ou voilà, de parents non musulmans, ou elle voilà, en fait, quelqu'un qui a épousé une femme, par exemple, non musulmane, et voilà, ouais, très bien. Donc là, d'après ce que j'ai compris du fiqh, c'est que il faut étudier le cas. Manah, vraiment, il faut étudier le cas par cas, et il faut quelqu'un. Je vous donne le cas, hein, un cas très simple, parce qu'il doit y en avoir des multiples, mais je vais en prendre un pour être plus clair, plus simple. C'est deux personnes, donc un musulman et une chrétienne. Le musulman décède et il a des biens en Algérie. La chrétienne est descendue en Algérie pour dire, voilà, je viens hériter des biens de mon mari. Et en Algérie, on lui a dit, les chrétiens n'héritent pas des musulmans. Et lui, quand ils ont un fils, hein, et une fille d'un premier mariage, une fille avec une musulmane, elle est venue hériter de la chrétienne ici. C'est vrai, c'est un problème qui se pose aujourd'hui.
C'est ça, Mané. En plus, Anna, peut-être je vais le prendre d'un autre côté, pas pour fuir la réponse, mais juste pour enrichir ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça crée des problèmes sérieux. Mané, c'est, vous voyez très bien. Alors maintenant, est-ce que, Oman, la réponse qu'on leur a donnée en Algérie par certainement une instance religieuse ou à la chir, etc., est-ce que c'est la définitive? Est-ce que c'est la bonne? Wallahi, je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je sais... Non, sérieusement. Ce que Vous vous rendez compte, toutes les questions que je pose, vous ne savez pas, vous êtes l'homme de l'art. Et moi, Khalina, l'homme de l'art. Maintenant, ça va faire 13 ans que j'anime cette émission où j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose, c'est que dans l'échange avec mes chères auditrices, auditeurs, il y a beaucoup d'enseignements. Même s'il n'y a pas de réponse à cas direct, mais au moins, il y a un échange, il y a un partage, il y a un respect, et que vous, de votre côté, vous allez continuer à chercher, et moi, de mon côté, je vais aller chercher. Ou subhanallah, sur le sujet de l'héritage, où je l'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs, je maîtrise pas la question de l'héritage. Tout simplement. Mais comment on appelle ça, les jurisprudences? Elles arrivent toujours parce que c'est des imprévus qui sont pas prévus dans les lois. Donc par conséquent, il devrait y avoir des instances qui se remettent dans les contextes nouveaux à chaque fois, parce que le monde bouge. Avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens se mariaient parce qu'ils voyageaient pas, ils se mariaient dans leur tribu, dans leur quartier, dans leur pays, et il n'y avait pas de mariage mixte à l'époque. Là, Samani, peut-être je vais vous arrêter un peu. Nous savons très bien que des millions de musulmans, manas sahab, Nabi alayhi salatu wa salam, wa tabi'in, ils ont conquis le monde. Donc ils se sont mariés avec des non-musulmans. Il y en a beaucoup, hein. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa salam, il est l'exemple. Donc le problème, notre problème, c'est pas qu'on n'a pas de texte, non. Notre problème, c'est que, comme vous l'avez dit au début, manas une instance qui s'occupe de ça. Mais là, pour être aussi réaliste et il compte juste avec lui-même d'abord, avant d'être juste avec les autres, c'est que Dar al-Fatwa, qui est très connu aujourd'hui, etc., qui est à la tête quelqu'un que j'ai fait mes études avec lui en sharia, ils ont traité toutes ces questions, et d'ailleurs, je suis plus que certain, non, ils ont sorti un livret sur les questions contemporaine, dont à quel héritage avec la non-musulmane, comment je fais, etc. Mais excusez-moi, cher, il n'y a pas une instance connue et reconnue. Parce qu'il y a autant, il y a autant d'interprétations que d'écoles. Et moi, il y a deux choses. S'il n'y a pas, ça ne nous arrange pas. Et s'il y a, ça ne nous arrange pas. On dit, Dar al-Fatwa, c'est une instance européenne de l'Fatwa qui fait un travail très très bien. Maintenant qu'elle ne sait pas communiquer, maintenant que ça ne rit pas à tout le monde, etc. Non, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un autre problème du sujet lui-même. Mais est-ce qu'il y a une instance qui regroupe tous les musulmans? Vous voulez dire tous les musulmans, c'est-à-dire une espèce de gouvernance. La mazal, dans 20 ans, Allah yisahel, inchallah. Parce que quand on voit chez les juifs ou chez les chrétiens, ils sont en permanence en train d'adapter en fonction des nouvelles situations. Sahbi, Allah yisahel, nahna mazalna. Non, mazal. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Ça prendra le temps qu'il faut. On arrivera. Ce qui est sûr et certain, il y a quelque chose d'effet. Mais parce que pour moi, faut être honnête aussi. Parce que, subhanallah, dès votre première question, c'est là où vous venez en venir. Je vous ai très bien compris. D'ailleurs, vous avez raison. C'est que aujourd'hui, malheureusement, ça honore les musulmans. On dit, voilà, on a une instance. On s'adresse à elle lorsqu'il y a des questions compliquées. Mais bon, ça prendra le temps. Mais allez, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, après je vais vous laisser, qu'il y a des assises qui existent au niveau de l'islam globalement?
Oui, des assises, c'est-à-dire une réunion, on va dire une fois par an. Oui, moujouda, moujouda. Comme les conciles chez les chrétiens. Non, il y en a. Là, hadi, samahni, en Algérie, il y en a. En Tunisie, il y en a. Au Maroc, il y en a. Enfin, dans le monde du musulman, il y en a. Non, mais quand même. Là, non, mais attendez, parce que ce qu'il peut y en avoir un en Maroc et puis en Algérie, il sera différent. Là, malice, moi, samahni, moi, hada, le fatwa, t'a tagayir, bi tagayir, l'azmani ou l'amkina. C'est tout à fait normal. Elle fait toi en Europe, elle sera pas celle du Maroc, quelque chose qui va pas, et celle du l'être humain. Parce que ça c'est important. En fait, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam au niveau humain, purement humain, c'était une excellence. C'est irréprochable, disons. Hein. C'est le modèle que peut chercher tout être humain. Vous savez, nous les êtres humains. Et d'ailleurs, au niveau de l'éducation de l'enfant, il est nécessaire d'avoir un modèle. C'est nécessaire. C'est lui, il est à la recherche d'un modèle. Hein, ça fait partie de sa nature, hein, de son développement, de ses besoins. Il a besoin d'un modèle. Hein, il ne peut pas se construire tout seul qu'à partir d'un modèle. Nous, les croyants, notre modèle, humain d'abord, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Notre modèle prophétique, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et là, on voit très bien combien c'est enrichissant, combien c'est utile pour nous d'avoir wala confia rasulillahi eswatun hasana. Et vous avez dans le prophète alayhi salatu wa salam, dans ses paroles, dans ses dires, dans ses gestes, dans ses comportements, dans ses agissements, dans la manière avec laquelle il agit, il réagit, il gère des difficultés de la vie. Puisque je vous rappelle quand même que le prophète alayhi salam a vécu toutes les épreuves inimaginables. Hein, il faut pas croire parce qu'il est prophète qu'il a été épargné. Non, il a vécu dès l'enfance d'ailleurs, hein, dès le début, la mort de ses proches, de sa mère, de son père, l'orphelinat, etc. En fait, il a vécu toute épreuve que peut rencontrer un être humain. Puisque je vous rappelle que les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont égales. Il n'y a pas. C'est pas parce que t'es musulman, t'es croyant, t'es pas croyant, que Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver autrement. Non. Ce qui descendra du ciel sera pour tout le monde. Hein, ce qui naîtra de la terre sera pour tout le monde aussi. Hein, ça fait partie de la vie. Donc, le musulman, pas musulman, les êtres humains sont tous logés à la même enseigne. L'enseigne de l'épreuve. Après, le modèle du prophète alayhi salatu wasalam, c'est comment il a géré. Difficultés de couple, difficultés de l'éducation, difficultés de relationnelles entre les compagnons, etc. En fait, c'est vraiment un modèle. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu cette belle analyse, c'est que le prophète alayhi salatu wasalam peut être vu par plusieurs regards de manière différente. Ça veut dire que, par exemple, que ce soit le spécialiste dans tel domaine, que ce soit celui qui a le statut du père, celui qui a le statut de l'être humain, celui qui a le statut d'un responsable, etc., on trouvera certainement dans le comportement, les attitudes du prophète alayhi salatu wasalam, ce qui correspondra à notre besoin. Ça, c'est une certitude. Si vous voulez comprendre la vie, allez voir comment le prophète alayhi salatu wasalam, il a compris la vie. Si vous voulez savoir sur la nature de l'être humain, ce qu'est l'être humain, le prophète alayhi salatu wasalam nous a appris beaucoup sur l'être humain. Si vous voulez comprendre la nature, le fonctionnement de la nature et l'écosystème et comment ça fonctionne et des connaissances profondes sur l'univers, donc le prophète alayhi salatu wasalam nous a laissé un héritage très confortable, très 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 immense sur l'univers. Si vous voulez savoir et comprendre comment le prophète alayhi salatu wasalam il a pu atteindre la piété à taqwa, suivez-le. Si vous voyez très bien, en fait, chacun trouvera chez le prophète alayhi salatu wasalam, mais fallait-il le faire? C'est ça la question. Je fais quoi, Anna, pour arriver au stade du prophète alayhi salatu wasalam, hein, cette exemplarité dont on a tous besoin. Je crois que c'est important
de se poser cette question pour savoir où en est-il exactement, puisque je le rappelle quand même que l'amour du prophète alayhi salatu wasalam exige, impose quand même une modalité, une je vais avoir un exemple. Donc, c'est important pour moi que, en fait, et pour vous, je crois aussi, que le prophète alayhi salatu wasalam devienne notre modèle. Voilà. Sur le plan éducatif, par exemple. C'est important. C'est, vous savez, dans nos rapports avec nos enfants, dans nos rapports avec nos parents, dans nos rapports avec autrui, dans avec l'autre, quel que soit, le prophète alayhi salatu wasalam, n'a-t-il pas été un exemple dans ses rapports avec ceux qui croyaient autrement, ceux qui avaient une autre croyance? Bah oui, il s'est comporté d'une manière exemplaire avec les chrétiens, avec les juifs, avec les athées aussi, avec ceux qui croient pas, avec les... Voilà, en fait, le prophète alayhi salatu wasalam, il nous a laissé un héritage en fait très fort, hein, une somme considérable de savoir, de connaissances réelles, hein, pas des connaissances théoriques, non, c'est... Voilà, je crois que c'est important, chacun de nous, de se poser la question, je suis où dans l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que nous sommes toujours ensemble dans cette émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 et que, bien sûr, vous avez cette possibilité de nous appeler pour poser vos questions au 0892 23 99 50. 0892 23 99 50 pour toute interrogation et question concernant la vie à la lumière du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. عين جود الله عنا عفا الله حاسبي ونعم الحسب حاسبي كفى منه المواهب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا Islam sur les ondes de France Maghreb 2 0892 23 99 50 et nous avons un appel du collège standard. Oui, allô? Allô? Allô, allô? 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 Allô, allô? Ah. Allô, je vous écoute. Je crois que la personne... Allô? Allô, allô. Voilà, donc réitérez votre appel 0892 23 99 50 pour passer à l'antenne et poser vos questions, sachant que la règle est claire, lorsqu'on sait, on dit ce qu'on sait, lorsqu'on ne sait pas, on dit on ne sait pas. Hein. Parce que celui qui ne sait pas et qui prétend savoir et qui fait semblant de savoir, de connaître et qui répond faussement, il y a un problème. Donc ce n'est pas honteux, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas interdit de, voilà, de reconnaître que effectivement nous avons appris peu de cette science islamique qui, je rappelle, c'est une forme de guide pour le musulman dans sa vie, pour que il déroute pas, il dérape pas, et que vraiment il reste toujours sur le bon chemin, comme l'a fait le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam dans cette journée exceptionnelle qui est le vendredi, et qui je rappelle quand même que nous sommes dans le mois de la naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. 0892 23 99 50.
Voilà, je vous rappelle, chère auditrice, auditeur, juste une petite parenthèse que je ne peux pas prendre hors antenne et que pour toute personne qui souhaiterait entrer en contact direct pour des problèmes spécifiques et aussi pour une éventuelle rencontre en privé, je vous donne mon numéro de téléphone, comme ça vous pouvez m'appeler au 07 82 74 18 75. Vous envoyez un petit message 07 82 74 18 75. Je crois que là nous avons un appel du côté du standard. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Salam. Voilà, est-ce que c'est possible de poser une question en antenne, s'il vous plaît? Wallahi, c'est les demandes qui m'êtes faites par plusieurs. Le problème, c'est que je ne peux pas. Sauf si vous voulez m'envoyer un petit message SMS, marhabek, comme ça je répondrai. Je vais juste prendre le numéro, à part si vous le... Oui. S'il vous plaît. Alors, 07... 07 82 74 18 75. Barakallah. Allah yassalmou khoya. Salam alaikum. Voilà, effectivement, en fait, comme je l'ai dit, c'est que je ne peux pas répondre en antenne. Voilà, en fait, pour toute personne qui souhaiterait poser des questions ou qui éventuellement souhaiterait avoir un rendez-vous en privé, vous n'avez qu'à envoyer un SMS, une demande de rencontre en privé, 07 82 74 18 60. Toujours dans l'émission Parler Islam sur les ondes de France, Maghreb 2, 0800 92 23 99 50. Nous continuons périple et ce voyage dans l'événement, l'histoire de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Juste rappelant quand même, parce que c'est important, que le prophète alayhi salatu wassalam, il est un enfant natal de la Mecque. Et tous ceux qui sont partis à la Mecque, Allah est sahel, que soit l'Umra, que soit le Hajj, en fait, l'endroit de la naissance du prophète existe encore. Avec des bases, que ça va être supprimé ou pas, bref, tout, peu importe. L'essentiel que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est né à la Mecque, ça a beaucoup de signification. Moi, je vous renvoie au livre de notre grand professeur Hamidullah Allah yarhamu, la vie du prophète alayhi salatu wassalam, où il explique pourquoi le choix de la Mecque, pourquoi ça a été à la Mecque précisément, hein. C'est important, il y a rien qui a été fait au hasard, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui gère cet univers avec ses créatures, et c'est lui qui a décidé que la naissance du prophète soit à la Mecque, hein. Et je rappelle que c'était pas une faveur, hein. C'était pas un privilège. Pardon. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam, il a été chassé de sa ville natale. Et oui, ça fait partie de la vie. Nous prenons un appel du côté du standard, rappelant juste le numéro 0800 92 23 99 50. Et allô? Allô? Oui, je vous écoute. Salam alaikum. Je voudrais vous poser une petite question. Allez-y, je vous en prie. J'ai fait quelque chose de très grave dans ma vie. Oui. Et j'aurais aimé savoir, est-ce que ce péché que j'ai commis, oui, voudrait dire que Dieu ne veut pas de moi au paradis, c'est-à-dire que je n'ai aucune issue. Tout d'abord, il faut savoir une chose très importante. Il n'y a aucune personne parmi nous qui n'a pas fait des péchés graves. Oui. Aucune, d'accord? Pour que les choses soient claires, oui, hein, on va pas se montrer comme des hommes. Non. Tous et sans exception, nous, oui, avons commis des péchés graves. Sans entrer dans les détails. Donc, nous avons la certitude qu'en islam, tout péché grave, il y a une réparation. Et que ce n'est pas parce que j'ai commis un péché grave que je n'aurai, oui, pas le paradis. C'est pas vrai. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Que tant que je suis vivant, quand j'ai pas rendu l'âme encore, j'ai la possibilité, jusqu'au dernier souffle de ma vie, de faire une réparation. Alors,
Je m'explique. Il y a deux choses. Oui. Ou bien c'est un péché qui concerne moi et mon créateur, pour des raisons multiples, hein, vous savez, c'est quelque chose de très intime. Là, le problème est réglé. Je demande pardon et ça marche. Ou bien c'est un péché que j'ai commis envers un être humain, envers quelqu'un de la famille, pas de la famille, etc. Je me suis trompé, etc. Donc, dans ce cas-là, la réparation est tout à fait possible et tout à fait aussi pardonnable. Il n'y a aucun péché sur terre, ce qu'on appelle péché, qui peut pas être pardonné. Ça n'existe pas en islam, sauf l'association, sauf celui qui dit, voilà, moi, écoutez, je suis musulman, mais en même temps, je crois qu'il y a 50 000 dieux, et une fois j'adore les vaches, une fois j'adore le ciel, une fois... Bon, ça, c'est un peu, ouais, très bien, en fait, ce qu'on appelle le shirk. Mais à part ça, sachez que, en islam, tout péché est pardonnable. Voilà, tout simplement. Inch'Allah. Voilà. Donc, rassurons-nous tous, sans exception, qu'effectivement, les portes du pardon sont ouvertes jusqu'à la mort. Inch'Allah. Parce que là, c'est vrai que ça m'empêche de vivre, d'avancer. Non, je suis désolé. La culpabilité pour les musulmans n'est pas la même pour les chrétiens. Donc, faut sortir de la culpabilité pour se dire, alhamdoulilah, Dieu m'a pardonné. Hop, on y va, on fait les réparations, on y va, on avance. C'est important, hein? C'est très important ça. Parce que je sais très bien que beaucoup de personnes n'osent pas franchir le pas et aller au-delà du péché. Ça veut dire qu'ils sont restés dans le péché. Vous savez, ils n'ont pas fait le deuil de leur péché, ce qui les empêche d'aller vers des ouvertures. C'est ça. C'est ce que, vous savez, lorsqu'on vit avec toujours cette culpabilité, c'est que c'est fini, je ne serai pas pardonné, etc. On peut pas avancer, c'est presque impossible. Puisqu'on est dans le désespoir, et puisque nous considérons que tout ce qu'on va faire, il servira à rien, donc là, on est bloqué. Donc on dit, puisque c'est comme ça, puisque j'ai fait un grand péché, à quoi ça sert que moi aujourd'hui, je vis, moi aujourd'hui, j'ai fait des bonnes actions, ça ne sert à rien, puisque ce que j'ai fait, c'est une catastrophe. Non. Non, c'est... Pour un croyant musulman, le prophète alayhi salatu wasalam nous a appris que effectivement, nous sommes tous des défaillants, d'accord, et que ce qui reste à faire, c'est que effectivement, les portes du pardon restent ouvertes. Inna Allah yaqbal at-tawbata 'an 'ibada. Dieu, là on traite avec le Créateur, on traite pas avec les êtres humains. Les êtres humains, c'est très difficile d'avoir le pardon, c'est très difficile, c'est complexe, d'accord. Mais avec Dieu, ça marche. Pas de problème. J'espère. Ah non, mais attention, le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui ne croit pas que Dieu va lui pardonner a un problème. Il faut y croire. C'est pas simple, on a du mal à se pardonner à soi-même, alors oui. On se dit comment Dieu peut nous pardonner. Vous voyez très bien, donc vous êtes venu à l'essentiel de votre question. Effectivement, celui qui n'est pas prêt à se pardonner, il ne peut pas pardonner les autres, ni accepter le pardon des autres. Je commence par moi-même. Je me suis fait du mal. Ok. Je sais pas. J'ai commis ce qu'on appelle les 400. J'ai commis tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord? Qui m'a fait mal, hein? Que j'ai fait mal aux autres. Oui. Moi, la question que je me pose, et alors? Ça y est, c'est bon, je suis condamné, non, pas du tout. J'avance. Je dis bon, ok, d'accord. D'accord. Après, c'est un travail sur soi-même. Si ça persiste, si cette culpabilité persiste, il faut faire vraiment un travail sur soi-même. Dire voilà, là aujourd'hui, je veux comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et avancer. Ouais, très bien. Voilà, ça c'est important. C'est sûr. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. De rien. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà. Vous l'avez très bien compris, hein, toute question elle est bonne posée. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans notre émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Désolé pour avoir interrompu un appel d'un auditeur ou d'une auditrice. Réitérez votre appel s'il vous plaît, 0892 23 99 50. Je suis vraiment désolé parce que j'ai fait une fausse manip. Voilà, je vous rappelle aussi que chère auditrice auditeur, entre parenthèses, je prends pas les auditeurs hors ligne et que pour des raisons professionnelles, pour
pour toute personne qui souhaiterait avoir, parce que je le rappelle quand même, dans le cadre de l'activité de l'association Les Trois Âges, je suis psychanalyste et sexologue, et que voilà, on peut convenir d'un rendez-vous pour toute éventualité, éventuelle suivi. Voilà. On est toujours dans notre émission, votre émission, ça dure depuis 13 ans quand même, hein. Je suis très content de retrouver à chaque fois mes chères auditrices, auditeurs dans cette radio qui est à l'écoute de ses auditrices et auditeurs. 0892 23 99 50, restez à l'écoute. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Nous partons du côté du standard. Oui, allô. Allô, salam alaykoum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous écoute. C'est une question un peu, c'est sur le divorce. Je voulais vous demander, j'ai été divorcée une première fois par condition. Mmh. Ensuite, une deuxième fois, c'est moi qui ai demandé le divorce, on m'a donné mon divorce. D'accord. Et une troisième fois, on m'a divorcée par condition aussi. Et je voulais savoir, moi on me dit que je ne suis pas divorcée, mais dans mon cœur, pour moi, je suis divorcée. Qu'est-ce que vous appelez condition, Orti? Sans entrer dans les détails, j'ai pas besoin de détails, juste qu'est-ce que vous appelez condition? Si tu ne fais pas ça, ben, tu es divorcée. Oui, d'accord, ça veut dire que c'est une menace par le divorce, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez dire par « j'ai demandé le divorce, il a été accepté » J'ai pas compris. Parce que suite à Pam, on ne s'entendait pas, donc j'ai simplement demandé de me divorcer. Donc, si j'ai bien compris, pour que je puisse bien vous répondre, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous êtes toujours en union, non? Il n'est pas à la maison, donc je suis seule avec mes enfants. Oui, d'accord. Vous avez fait une procédure de divorce ou pas, Orti? Non, parce que je sais pas, d'après ce qu'il m'a dit, qu'on n'était pas divorcé, mais moi, je ne sais, depuis, lorsque j'avais demandé le divorce, comme il m'a dit, je te divorce, et il m'a donc répondu, et ensuite, pour le troisième divorce par condition, je suis restée pendant un laps de temps pour dire est-ce que je fais, parce que c'était vous savez, à un certain moment, ça devient long, ces histoires de jouer avec le mot du divorce. Ouais, je vois. Et là, j'ai fait consciemment, j'ai dit oui, voilà. Donc pour moi déjà, au deuxième, comme c'est moi qui avais demandé le divorce, mais j'étais pas du tout au courant des conditions quand c'était la femme qui demandait le divorce, pour moi j'ai été divorcée d'office, puisque moi j'avais de demander verbalement, il me l'a accordé, il avait un témoin avec lui. Oui, mais vous savez très bien, Orti, ça se passe comme... ça se passe pas de cette manière en islam. Le divorce, puisque nous sommes liés avec un contrat, on est d'accord? Oui. Donc, on ne peut pas parler d'un divorce tant qu'on n'annule pas le contrat. C'est simple, c'est pas compliqué. Le contrat doit être annulé. Le contrat doit être annulé par la même procédure que j'ai prescrit le contrat. Ça veut dire que je dois passer par un juge, par un avocat, juge, etc. C'est obligé. D'accord. Maintenant, il y a autre chose. C'est que on ne peut pas, islamiquement parlant, aller entre je divorce, je divorce pas, je divorce 3, 4, ça marche pas. C'est interdit. D'accord. Ouais. Lorsque je décide de divorcer et j'ai mes raisons pour divorcer, là, hop, et c'est impressionnant parce que là, vous êtes cette illustration de personne qui est piégée dans je suis divorcé à l'intérieur, mais je suis pas divorcé en fait officiellement. Oui. Ça, c'est une souffrance, c'est une source de souffrance. Oui. Vous voyez très bien. Donc aujourd'hui, si vraiment vous voulez traduire ce désir de divorcer pour des raisons qui vous concernent, que vous trouvez valables, là, il faut les traduire par un acte officiel, sans avoir peur. Parce que là, ce que je... France Maghreb 2. Parlez islam. Parlez islam. Parlez islam. Parlez islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez islam pour mieux le vivre dans notre société.
Voilà, parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2 et nous allons, je crois, prendre le dernier appel. Allô? 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 Bon, je crois que la personne n'a pas pu attendre. Alors, il nous reste 5 minutes, précisément, ou 6 minutes, pour répondre à vos questions, réitérer votre appel. Je vous rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50. Et effectivement, non, parce que le divorce est cette situation que vivent beaucoup de femmes en particulier, n'est pas facile tout d'abord, et ça complique beaucoup la vie. Vous savez, un divorce, en fait, c'est une rupture. Voilà, c'est une rupture douloureuse, c'est une expérience très difficile à digérer, à la vivre. La raison pour laquelle il faut vraiment de l'accompagnement, parce que c'est très important. Et je profite, si vous permettez, parce qu'à chaque fois, je le répète, je le dis, parce que je crois énormément. N'attendez pas à ce que la situation pourrisse. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui nous arrive, c'est que on a des signes déjà. Les premiers signes d'un rapport, d'une relation de couple qui sont mauvais, il faut pas attendre. Voilà. Il faut vite alerter, avertir et faire intervenir un professionnel. C'est très important, croyez-moi. Sinon, après, ça sera très, très, très compliqué. Du côté du standard, oui, allô? Oui. Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cher, c'est pour vous poser une question. Allez-y, Khoya. Bien entendu, si je vous appelle, c'est pour vous poser une question. Voilà, j'ai un fils qui est âgé de 35 ans, qui, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, avait commis une petite bêtise. Hein. Et puis, par la suite, on s'est expliqué sur cette bêtise et il a pu... avec l'aide d'Allah, il a pu donc apprendre le Coran, donc c'était le Hizb, ou khatm le Coran fait le Kaaba al-Musharrafa. Et il a entrepris donc d'être dans l'apprentissage aussi du Coran et de tenir les prières dans une mosquée de la ville où on réside. Et une des personnes qui était témoin de cet acte malveillant est partie prendre lui-même de la mosquée en lui disant écoute, faut pas laisser cette personne prier par le mausolée. Voilà ce qu'il a fait. Lorsqu'il était dans... Ouais. Donc la personne qui s'occupe justement de cette chose a interpellé mon fils, il lui a dit je t'appellerai plus pour prier avec les gens. Et donc mon fils, il a été très affecté. Bien sûr. Personnellement, j'ai demandé une confrontation avec cette personne qui a dit cette chose, mais cette personne n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Donc ma question, comment dois-je procéder? Chauffeur, tout d'abord... Allô? Oui, Nesmafik, vous m'écoutez là? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, je vous écoute là. Allô? Allô, oui, Khoya. Je vous écoute là. Non, c'est pas... Allô? Oui. Alors, je vais m'expliquer en fait, parce que moi j'entendais, lui m'entendait pas. Non, j'espère que le monsieur il est encore là. Je crois qu'il est encore là. Il écoute ma réponse. Chauffeurie. Tout d'abord, Fadhannes, hein, c'est surtout dévoiler, parler, ouais, et revenir sur quelque chose qui était passé. Pour dénigrer cette personne, pour une charbi,
c'est strictement interdit. Comment vous allez faire? Tout d'abord, il faut que votre fils comprenne. D'abord, il a tout à fait le droit d'être chagriné. Hein, c'est, je le comprends très bien. Parce que c'est, vous voyez très bien, en fait, c'est parce qu'il lui a brisé une image que lui, il a tenu à la garder propre. Ce qui s'est repenti, etc. Et alors, le responsable de la mosquée, je ne sais pas qui c'est, mais je m'en fiche, il aurait dû faire autrement. Je crois que c'est très important. Maintenant, le mal est fait, monsieur. Puisque le mal est fait, il faut se poser la question, je fais quoi? Donc, mon fils, il doit continuer dans la voie du salut, de la paix, de la sécurité, de la spiritualité. Et aussi, ne pas oublier, mais voilà, tourner la page et considérer que, effectivement, il y a un mal qui a été fait. Je crois que c'est important. C'est pas facile, mais c'est possible. Et surtout, ne répondez pas à cette dénigration par autre chose. Et bien sûr, votre fils et vous, vous avez tout à fait le droit de vous expliquer avec cette personne qu'il a affiché, comme on dit, malheureusement, avec l'imam, etc. Mais je crois, le premier pas, c'est d'aller voir encore le responsable de la mosquée. Non pas pour que votre fils revienne, parce que ça, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'utilité, mais pour surtout expliquer à ce responsable que, voilà, et alors, lorsqu'on a commis quelque chose, mais aujourd'hui on s'est repenti, et il est où le mal? Je crois que c'est important. Allah yahfadh wulid khoya, Allah yahfadhk, et inshallah ta'ala mikun kalkhi. Je suis vraiment désolé parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je suis vraiment désolé de ne pas prendre tout le monde à l'antenne. Je vous rappelle, chers auditrices, auditeurs, que nous étions ensemble dans l'émission Parler Islam sur les ondes de France Maghreb 2. Et je vous rappelle aussi, pour tout contact en privé, pour des consultations en tant que psychanalyste dans l'activité de l'association des 3A, vous pouvez m'envoyer un message au 07 82 74 18 75, 07 82 74 18 75. Barakallahu fikum. Allah yahdina jami'an, Allah yarhamna jami'an, Allah yatub alayna jami'an, Allah yaj'alna mimman yuhibbuna ar-rasul alayhi salatu wassalam, wa an nakuna min ahbabihi, wa an yakuna shafi'an lana yawm al-qiyamah. Allahumma amin amin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous rappelle que cette émission sera transmise rediffusée le dimanche matin, et que la semaine prochaine je vous donnerai un nouveau rendez-vous, puisque notre cher frère Mohamed Bazravi ne sera pas là la semaine prochaine. C'est moi qui assurerai cette émission. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. France Maghreb 2 sur 91.3 FM, 91.3 FM à Reims et toute sa région.